les gars, bon, c'est le week-end. Yo, petite session avec les potos. Bon, bah là, il n'y a que Jess, mais on va rejoindre les autres. Ouais. Et pour changer cette semaine, bah, c'est toujours un bandeau, mais c'est un bandeau en extérieur. On va dans un ancien centre de vacances abandonné, situé au bord de la mer. Ouais, ça va être mortel, je pense. Ça va être bien, bien cool. Et l'ours, là, il est censé voler tranquille. On verra ça. Qui ? Toi. Non ? T'as pas dit que tu volais tranquille ? Non, c'est pas ah, moi. Merde, c'est toi. C'était le monsieur qui est là-bas, là. Ok. Non, non, j'ai pas besoin, regardez. Bon, alors là, vous aurez du mal à voir, mais j'ai pris 4 drones. Normalement, avec 4 drones, je dois pouvoir tenir l'après-midi, donc ouais. Bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de voler tranquille. T'es capable de les broyer tous dès la première heure. Hein, Bah, une lipo par drone. Ah ouais, c'est ça. J'ai pris 4 lipos, hein, ça me suffit. Bon, allez, go, on vous reprend sur spot. Bon, allez, on est arrivé sur spot. Regardez-moi ça. On a trouvé un Forza. On est comme au bled. Nous, on vient. C'est écolo, vous avez vu le prix de l'essence. Nous, on vient au spot en charrette. Voilà. C'est carré ça. Peut-être télé. Ouais, par contre, ça demande un petit peu de liquide. Ah, c'est moins cher que le pétrole, hein. Ouais. Hop, regardez-moi ça. C'est quand même pas mal. Nouveau spot et en plus il y a une charrette. Allez, go, on va découvrir le spot. Wow, on s'est croisé très proche, Thibaut, là. Ah ouais. Ouais. Joli. Ta gueule. C'est ça que tu voulais faire. Mais oui. Je n'ai même pas voulu faire. J'ai rien compris ce que t'as fait en fait. Oh, comment il était beau. J'étais parti pour un peu un loop et il était super fort en plus ce bâtard. Là c'est pas ça que j'avais pas compris ce que tu voulais faire en fait. Mais oui, petit splittes dans le panier de basket. Bon, ça fait une petite heure qu'on est arrivé sur le spot. Je fais 3-4 lipos. On est là avec les gars, on s'est installé, comme à la maison. On a eu notre petite charrette pour ramener le matos. On est quand même pas mal. 5 minutes later. C'est quoi le plus grand risque, Lucas? Ah bah là c'est les arbres. Ok, et il s'est passé quoi? Bah on est coincé dans l'arbre. On a trouvé dans un bâtiment là-bas des échelles, des morceaux d'échelles. C'est pas l'échelle, c'est un échafaudage. Oui, ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pareil. Et on est en train de les assembler pour aller chercher le quad perdu. C'est pour ça qu'il faut des copains pour faire du SPV. C'est pour ça qu'il ne faut pas les voler tout seul dans les bandeaux. Oui, yes, oui. Ah, il va venir avec papa, le con, là. Jess, sur le côté. Passe sur le côté, tu le verras tomber, Jess. Ouais. Il y va. Yes, c'est bon. Oh, ça, j'ai presque rattrapé mon vol. On l'assaut, les gars. Putain, regardez ça. Sain et sauf. Georges de la jungle. Quand j'étais petit, je jouais au Mario, tu sais, l'autre avec les échelles et le singe là qui me lançait les bidons. Ah, Donkey Kong. Donkey Kong. C'est ça. C'est toi, Donkey Kong. Du coup, t'es le tonneau ou t'es le singe? T'es mal à taille du singe. C'est le singe qui boit le tonneau. C'est ça. Ça dépend de l'heure et du nombre de bières qui restent dans le pack. Pas le tonneau dans les bras. Le tonneau, il le boit. Il les jette pas, lui.
Ouais, il a accroché, hein. Ouais. Yes, papa. Le premier était encore mieux. Ouais, je vais me poser. Bon, c'est la fin de la petite session du samedi. C'était bien sympa. Ça, c'est Thibaut qui va pisser. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est un barbu en train de chier. Bon, en tout cas, c'est une bonne petite session. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Bah, moi, j'ai bien aimé. Tu mets ta grosse tête. Attends, je mange la GoPro. Fais voir si on voit ton gros nez, là. Non, ouais, c'est bon, tu l'as déjà fait une fois. Tu l'as déjà fait une fois, l'eau dure, c'est bon. Arrête, j'ai un trop gros pif. Et d'ailleurs, Lucas, ouais. C'était une première pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour la non, première fois? J'ai déjà volé une fois au-dessus de l'eau. Ah, mais pas au-dessus. Mais pas au-dessus de la mer. J'ai jamais volé au-dessus de la d'abord. Mer. Mais après la mer, ouais, la mer, c'est l'étape suivante. D'abord la fille. Comment? Et du coup, tu t'es fait un petit kiff. Un petit kiff au-dessus un de l'eau. Kiff au-dessus de l'eau. Il y avait un peu de houle en plus, donc c'est cool. Enfin, un peu de vague. Je sais pas se manger une vague. C'est faudra le refaire avec le soleil, quoi. Yes. Dans tous les cas, nous, on va revenir. On a grave kiffé cette session, on a grave kiffé le spot. Magnifique cadrage, Jess. Oh ouais, c'est dégueulasse. Non, monte pas dessus. Putain, il met de la bière partout, le goré. Oh, hé, hey, oh, on rentre les boulots. Hé, hey, oh, hé, hey, oh, hé, hey, oh, hé, hey. Hé, hey, oh. Bon, je sais pas qui c'est la cam. Ah, c'est la cam à Sip. Bon, on a sauvé un quad. Pas bah, mon quad. Puis voilà, on a volé, on a cramé la lipo, on n'a pas trop cassé, c'est pas mal. C'est la fin de la vidéo qui est absolument filmée en mode time-lapse. Dans tous les cas, ce genre de vidéo à la cool, sans plus de tête te plaît, et bah, n'hésite pas à t'abonner, avec un petit pouce bleu, la cloche si tu le souhaites, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!